Tu viens tourner autour de mes filles ici? Je n'ai... Hé, 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 regarde ta figure, mets ta figure là. Deuxième condition, je ne veux plus jamais, alors là, jamais, te voir tourner autour de mes filles. Là, tu ne mettras plus jamais les filles ici. C'est fini. Non, je t'ai dit, hein. Ouais, c'est fini. Jamais tes filles n'ont compris. Elles ne vont plus jamais tourner autour de moi. Mais si jamais je prends une de tes filles en train de tourner autour de moi, je vais la gifler. Je ne veux pas que mon fils soit considéré comme une banque où on vient retirer de l'argent et partir. Je veux une femme respectueuse, soumise, qui va s'occuper de lui comme une bonne femme. Okay, hein? Si, non, c'est que, en fait, tu n'as pas tout à fait tort. Alexandre, il va te parler amour. Il va te dire qu'il a le droit de choisir qui il veut. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Je pense que c'est parce que je ne suis pas encore marié que ma mère fait ça. C'est-à-dire qu'elle veut m'obliger à me marier maintenant. Sinon, on va m'imposer une femme. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te marier. Parce que tu vas fouiller parmi tes ex là. Tu vas prendre une, tu vas l'enfermer, la déposer à la mère. Ta mère, là, elle s'en fout. C'est pas ton genre. Non. Attends, je n'arrive pas à te comprendre. Je te présente une belle fille et tu trouves que c'est pas ton genre. Oui, c'est vrai, elle est belle, elle est très belle. Je la trouve même très intelligente, mais c'est pas ce qu'il me faut. Et Alexandre, tu sais que tu es mon ami. Oui. Mais j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Mon ami, il faut commander de tout, on va tout ici. Même chose. Même chose, comment? Toi, tu aimes les escargots maintenant. Non, on va dire que tu n'aimes pas les escargots. Même chose sans les escargots. D'accord. Tu peux envoyer ça, les escargots, pour me parler. Il faut envoyer du tout. On va mettre. Voilà. Tu as quel problème? Toi, là, Yeri, tu as quel problème? Moi, celle-là, c'est une servante. Elle n'est même pas servante. Quelles sont les bonnes nouvelles? La nouvelle est que je suis venue avec Kakou, pas ton épouse. Pardon? Je suis venue avec ton épouse. Attends, moi, depuis quand je t'ai dit que moi je voulais épouser cette fille? C'est pas le professeur là. Il dit que moi, il n'a pas sorti qu'il n'a pas payé la scolarité. Qui a dit ça? Le professeur là. Mais son problème est où? Mmh. Attends, si tu n'as pas payé scolarité là, son problème est où? Maintenant, si je dis je paye pas, y a quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Je paye pas. Si tu payes pas là, il va pas passer l'examen de fin d'année là-haut. Maintenant, ça fait quoi? Si tu passes pas l'examen là, ça fait quoi? Ça t'enlève quoi? Hein? Attends, je vais quand même pas dépenser tout mon argent dans toi. Tout ce que je trouve comme argent, vous. Je trouve un peu, vous. Et moi, mais là, je fais quoi? Je mange quoi? Quand même, c'est quoi? Hein?
suis pas là pour toi seule. Hein, papa, toi, tu me parles comme ça. Moi, je suis ta fille, non? Hein? Tu es ma fille, et puis tu es bête comme ça, là. Hein? Toi, tu es ma fille, et puis tu es bête comme ça. À la place même, on dirait qu'il n'y a rien dans ta tête. Dans ta tête, c'est un bidon qui est dedans. Petite école, là, petite classe de troisième. Tu peux même pas passer ça. Ça fait 5 fois que tu reprends la classe de troisième. Même moyen d'admission, là, tu n'as pas. Tu n'as pas. Où on va? Où on va? Tes amis vont te trouver là, tous tes petits enfants même vont te trouver dans la classe de troisième. Et tu es là, tu vieillis dans la classe de troisième. Tu n'as pas honte. Mais moi, je te ressemble. Tu me ressembles en quoi, hein? En quoi tu me ressembles? En quoi tu me ressembles? En quoi est-ce que tu me ressembles? Regarde-moi ça, tu vois, moi je suis bête comme toi. Et toi, ta classe de bac là, tu as fait ça 7 fois non, en terminale là. Hein? Tu dis quoi? Bac là, tu as fait 7 fois. Ça te regarde, sauvage. Je vais te casser les pieds tout de suite. En douille. Ça te regarde, même si je passe le bac 10 fois, c'est ton problème, il est où? Sauvage. Petite classe de 3e, où tes amis passent? Vous, là, nous on est passé là-bas. Nous on est passé dans 3e. 3e, là, nous on est passé là, on le met. C'est là que tu es calé 5 ans. Ça fait 5 fois que tu reprends la classe de 3e. Là-bas, là, les petites filles sont, elles ont encore les seins debout, bien pointues. Toi, tes seins sont déjà flasques. Tout est tombé. On dirait que tu as 5 enfants. Nul. Tu ressembles à ta mère. N'importe quoi. C'est qui même? C'est moi, Mala. J'arrive. Hé, Mala. Hé, entre. Voisine. Oui. Tu as mis du temps avant de me dire entrer de... Hein? Tu faisais quoi depuis là? En fait, tu connais mon mari, non? Lui, là, quand il vient comme ça, là, tu sais qu'il est plus ordonné, non, mon mari? Il jette ses habits partout. Je suis obligée de courir derrière lui en devenant enfant. Donc, j'étais en train de ranger tout ce qu'il a dérangé, là. Mais ma chérie, faut laisser tout ça. Donne-moi les nouvelles. Il n'y a pas de nouvelles. Je suis venue. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, voisine, faut parler. Voisine, hein? Je ne voulais pas. Mon mari dit de venir te voir. Ah. Pour que tu me prêtes 300 francs. Yeah. Tu sais, c'est tellement dur. Yeah. Même galère. Voici une bonne arrivée. Vous, c'est maintenant que Galère a fait casting sur vous. Nous autres là, il y a longtemps, nous a casté mon mari et moi. Les différentes formes de Galère que Galère a décidé de filmer là, c'est nous, ses acteurs principaux. Longtemps on vit ça. Voisine. Longtemps on vit ça. Si tu peux nous aider, pardon, faut nous aider. On a trop faim. Voisine, hein? Faut laisser sa voisine. Depuis hier matin, même piment n'est pas rentré dans notre bouche. C'est pas facile, hein? C'est très très dur même. Vas-y. Oui.
tout de suite là. Je t'ai vu avec un groupe Ngojo là. C'est déjà fini. Quoi? Groupe Ngojo. C'est déjà fini. Ah ah! Je vois de quoi tu veux parler. Où. En fait, comment on appelle ça? Tu connais mon mari. C'est qu'il aime manger. Ben là, dès que je suis arrivée, il s'est jeté dessus. Moi, je n'ai même pas eu aussi pour manger même. S'il n'avait pas fini, là, il allait vous donner aussi. Il a mangé. Vous avez fini ça. On va faire comment? On va finir le pain? Si, là. On a faim. Donc, quand tu gagnes un peu de pain, Godio, là, tu ne traînes pas dessus, tu finis avec vite. Où tu es forcé? Elle est toujours là-bas. Elle ne peut vraiment pas lui confier des missions. Le petit argent, elle allait réclamer la même longtemps. On ne sait pas combien c'est, mais puis elle est dormie là-bas. Moi, j'ai besoin d'argent pour aller jouer mon père, mais c'est pour ça. Chou, bébé! Et d'ailleurs, pourquoi tu as la mine déjà comme ça? Allez, gars, elle a donné le blé. Ah, laisse-moi. Si c'est pour me baratiner là, tu es le premier. Tu aimes trop ça. Mais qui te baratine? Mala, on est ici, mon Dieu, que tu ne me connais pas. Hein? Moi, je te donne tout, je te dis tout, tous mes projets. Là, quand je te dis, quand je vais aller en Amérique, là, c'est avec toi, là, ou bien, attends, tu penses que je m'amuse? Oh. Même si on me dit, j'ai droit à un seul bagage, c'est toi. Sinon, je vais là-bas, là, sans toi, je vais faire quoi? Si je... Bon, là, ça c'est un projet, on va en parler. C'est tellement sérieux qu'on va revenir là-dessus. Mais dis-moi, elle pas dit quoi, même, juste? Elle donne l'argent. Toi, tu as l'argent pour aller en Amérique, et puis on galère comme ça. Mais il faut faire des économies. Mais regarde comme la maison est remplie de galets. Oh. Ça chassait toutes les souris. Les cafards ont plié bagages. Même les moustiques d'âme sur nous. C'est que Jésus nous a délivrés. Si tous ceux-là sont sortis de la maison, c'est que Jésus nous a délivrés. Jésus nous a délivrés de quoi? Va dire à Jésus que la galère continue. Parce que Eba dit qu'elle n'a rien. Non, là, faut pas me dire ça. Faut pas me dire ça. Non, 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 non. Attends, j'espère que tu t'amuses. Tu as envoyé quelqu'un à qui elle a dit ça? Je suis partie moi-même. C'est à toi-même elle a dit qu'elle n'a rien. C'est ce qu'elle m'a dit. Tu veux tu la laisser là pour venir? Mais je vais faire comment? Mais pourquoi me dis je vais faire comment? Toi-même tu sais comment on est ici. Tu te vas prendre l'argent, ton argent avec quelqu'un, la personne dit je n'ai rien. Et puis toi tu reviens, tu dis je vais faire comment? Non, on va faire comment? On va faire comment? Bon, nous on va faire comment? Toi tu sais pas comment tu vas faire. Nous maintenant, tu es venu, on va faire comment? Bon, arrête-moi tout ça là. On peut même pas compter sur toi-même. Moi, t'es laissé. Voilà. Tu ne me connais pas. On va mourir ensemble. Monsieur Galère, toi et moi, on va crever ensemble. Quand mourir avec tu me connais pas, toi? Quand tu vas te gifler tout de suite, ta cerveau, elle va changer de place. Ah bon? D'accord. Viens, viens, viens dans le bois. Bon, regarde. Va non, tu rentres là. Quand tu arrives au milieu là, tu prends à gauche, la première porte à droite là, tu dors dedans. Non, moi pas rentrer dans la forêt. Non, moi, rien, tout ça c'est brousse. Ouais. Moi, je rentre comme ça. Oh, ça c'est des fleurs, ça grimpe le long du mur. Tu as vu, non, ils ont mis les fleurs sur le mur. Ça c'est pas forêt. Rentre. Il y a des gens qui habitent là-bas, faut aller. Regarde, si tu vas là, regarde, tu vas, tu vois la gueule. Tu lui dis que mon frère, mon cousin, Nadio, il dit il est fan de toi. Il a calé ça sur moi. Mais c'est ça. Mon cousin dit il est fan de toi. Oui, c'est ça. D'accord. Tu dis mon nom, tu dis mon nom. Ah, tu dis Nadio. Mon nom. Tu dis Nadio dit il est fan de toi, c'est mon cousin. Hein? Toi, t'expliques que là-bas, là, il n'y a pas de problème, il ne peut pas dire. Il y a quel problème? Vraiment, attends, mes idées sont deux. Il y a l'autre qui dit va, l'autre, il ne faut pas dire. Il faut écouter lui qui te dit va là. Il faut l'écouter, c'est lui qui est bien. Va, va, va. Tu dis un Nadio. Est-ce que ça va attendre demain? Moi, je sais pas la chose qu'on peut faire aujourd'hui là. Pourquoi tu veux qu'on remette à demain? Tu sais pas que celui qui remet à demain trouve malin en chemin. Ou bien tu connais pas ça?
ça là? C'est quoi ça? Arrête de me montrer l'intérieur de ton ventre. Si tu as envie de te blesser, là, quand tu es levé seul, tu vas aller te blesser dedans. Oui, oui, je suis là. J'ai faim. Tu as compris, non? Tu n'étais pas donné là un matin pour aller acheter pain goudou pour faire café baoulé. Tu n'étais pas assis ici pour remplir ton vent. C'est parce que ton vent t'est rempli que tu me parles. Je ne peux même pas m'énerver où je suis là. Toi, tu n'as pas honte. Tu n'as même pas honte. Nos camarades sont en train de manger riz gras, frites, poisson à la braise, poulet, tout ça là. Nous, c'est sûr, pain mort avec de l'eau dans le sucre. C'est sûr, ça, on fait pas là. Faut continuer avec ton palabre. Et tout ça là-même, ça vraiment, c'est pas possible. Café baoulé avec pain goudjou, tu vois. Tu connais son histoire? Vous ne connaissez même pas l'histoire de la nourriture de votre pays. C'est son histoire là, c'est que c'est quand tu as faim, tu n'as rien à manger là, et ça tu manges. C'est cette nourriture là, la reine Abla Koko a mangé pour avoir la force pour soulever l'enfant jeté dans l'eau pour sauver son peuple. Tu es là, tu ne sais même pas de quoi tu parles. En fait, ça se voit qu'il y a longtemps que Galette a fait photo. Parce que là, je ne te reconnais même plus. Tu racontes même des histoires. On ne sait même plus de quoi tu parles. Tu divagues maintenant. Yako, ça va aller. Tu sais que c'est vrai qu'on est pauvres. Hein? Il y a des gens qui sont plus pauvres que nous. Regarde. Est-ce que tu sais que Malin est venue me voir ce matin? Elle dit son mari l'a envoyé ici pour nous demander 300 francs. Tu dis quoi? Malin est venue ce matin. Elle dit que c'est son mari qui l'a envoyé pour prendre un crédit de 300. Il a remboursé les 175 qu'il me doit depuis le mois passé. Quoi? Pourquoi ils ne m'ont pas trouvé ici, c'est à cause de ça. Attends. Malin et son mari te doivent 175 depuis le mois passé. Et moi, je ne suis pas au courant. Mais je comprends pourquoi on a fait dans cette maison. Tu as de l'argent quelque part dans une banque. Et nous, on est ici, on a fait. Toi, tu ne sais pas encaisser. Tu ne sais pas encaisser. C'est sur moi que tu sais parler. Cet argent-là, cette nuit-là même, ils vont me vomir ça. Ils vont sortir les 175 francs-là. Quoi? Là, je m'en vais de ce pas comme ça, chercher les 175 francs. On va me donner ça aujourd'hui même. Après, tu vas dire que l'argent n'était pas donné. Ah. Mais moi, des choses comme ça. 175. Tout ça, ça a fini. Et moi, je vais réussir. Parce que j'ai un objectif, je vais réussir. Bonjour, papa. Papa, bonjour. Y a quoi? Je suis de passage, quoi. Non, t'as dit que c'est un boulevard ici, quoi. Non, c'est pas pour. C'est Dodo ici, viens de voir, Dodo. Qui? Dodo. Toi, tu connais Dodo? Ouais. Dodo, c'est ma camarade. Et Dodo, on est toujours ensemble. On fait tout ensemble même. Et Dodo, tu connais? Très bien même. Aller-retour. Aller-retour? Mm-hmm. Donc, vous connaissez quoi? Ah oui. Mais toi, mais t'es qui? Et puis, tu me poses des questions depuis là. Bon, je sais pas. Moi? Mm-hmm. On m'appelle Zion. Zion? Les Anglais m'appellent Zion. C'est grave, c'est dans les foutaises, quoi. Pour dire en même temps, tu t'appelles Zo, tu dis Zion. Ouais, je m'appelle Zo. Hein? Donc, toi, tu es venu en foutaise, c'est tout, quoi. Voilà. Oh, c'est ça, pour laisser, pour laisser. Donc, vous connaissez bien. À l'air et tout, même. Depuis quand? Il y a longtemps. On fait tout ensemble. Même hier, lui-même, elle a préparé, elle m'a envoyé. Il mangeait. D'où tu as préparé pour te donner? Ouais, ouais. Chez toi. Donc, tu la connais bien. Très bien même. Ah, oh, il est toujours là. T'es pas chier. Ah, grand frère. Moi, tu respectes, moi, mais t'as pas comme ça là. Mais moi, il peut réagir rapidement. Il n'y a pas ça. Toi, tu viens, tu mets un que moi, petit quoi. Et puis, tu as les habits, tapis. T'es là, tu n'aimes pas. Oh. Je vois Dodo. C'est tout mon problème. Tu vas voir Dodo. Tu vas voir Dodo. Donc, vous connaissez très bien. Ah, mais oui. Il te faut lui demander. Ça va te parler de moi-même. Mais vous connaissez comment exactement? Aïe, il t'a déjà dit ça, non? Alors, vous connaissez comment? Exactement. Vous connaissez comment? Je viens ici, elle vient chez moi. Quand il vient ici, elle me dit, viens te reposer. C'est moi, mais je ne veux pas. Il lui dit, non, c'est pas la peine. Je veux rentrer, quoi. Mais oui. Donc, souvent, tu viens ici, elle te donne la place pour te reposer. Ouais.
Vous vous reposez ensemble? Bon, c'est pas comme si on se repose ensemble. Tu sais, c'est comme une façon, si quelqu'un est en train de manger, puis il te dit, on mange, ça veut dire, viens manger aussi. Elle me dit, viens te reposer. Mmh. Bon, je lui dis, non, c'est pas la peine, je vais me reposer chez moi. Donc elle vient là-bas. Elle vient chez toi là-bas? Ah, tous les jours. Dodo, non. Donc elle... vous vous connaissez bien? Façon, femme et pigard. Tu vois, non? On se connaît. Mmh. Ah non, Dodo. Mais est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là. Tu es dans la pile? Ouais. Ah, grave, t'es gentil. Il dit, il y a grave, frère. Pour moi, je vais glacé, hein. Si elle s'y crée, moi aussi. Arrachez là aussi. Ça, là, c'est pourri. La vie. Ça, ce n'est pas faute d'argent. Ça, là. Bon petit parfumé pour accompagner ça. C'est ça aussi, c'est quoi? Tu c'est quoi? On a qu'à manger ça. Non, les femmes ne mangent pas beaucoup. Toi, c'est un paquet de gens, les femmes. Tu n'es pas seul quand même, non? Et où est nourriture là? À cause de ce qu'on a eu pitié et puis on nous a donné là. À cause de ça, tu entres tes narines, on dirait trop de rats là. Non. Pas m'insulter à cause de ça. J'ai dit. Il faut m'insulter à ça là. Son résultat, toi-même, tu connais. C'est ulcère gratuit pour mourir après parce qu'on n'aura pas l'argent pour aller à l'hôpital. Ouais, moi, je préfère mourir de sauce que de mourir de faim. Mmh. C'est bon. Voisine. Hé, voisine. Oui. Viens, on va manger. Pourquoi ça te suffit ça là? Pourquoi ça te suffit? Arrête ça, problème pourquoi là? Problème pour ça. Vas-y. Non, ça va. En fait, c'est ton mari que je suis venue voir. Ah. Oui. Et c'est mon mari qui m'a envoyé pour chercher l'argent que tu lui dois. Qui? Hein? Toi. Moi. Oui. Aïe. Tu. Et puis là. Il m'a dit que tu lui dois de l'argent. Ah! Et c'est moi où je suis, moi-même là où je suis assis. C'est moi, j'ai le courage même d'aller prendre crédit quelque part. Moi, t'es la galère, tu es ici là. Attends. Donc tu as l'argent et puis nous on souffre comme ça. Je ne me souviens même pas. Est-ce que moi-même j'ai l'argent? Je ne me souviens même pas. Attends, oui ou non tu dois de l'argent à mon mari? Mais je lui dois de l'argent comment? Je lui dois de l'argent depuis quand? Mais moi je comprends plus rien. Ça là c'est quand on dit le pauvre a plus du tort là, c'est ça. Bon écoute, moi je pense que je vais aller le chercher, vous allez parler. Hein, voilà, parce que là, l'argent. Laisse, au lieu de dramatiser la situation, il faut le laisser. C'est l'argent. Ce n'est que l'argent, finalement. Bah, l'argent, ce n'est pas le sang de quelqu'un. Uh-huh. Moi, c'est la même. Si on ne doit pas, on va l'embaucher. Pour couper court. Tu as dit tout de suite que tu n'as rien pris. Après, tu dis que tu vas rembourser. Je t'ai expliqué. C'est quelle histoire, ça? Voisine. Oui, c'est combien? 175 francs. 175 francs, tu vas rembourser ça avec qui? Il faut l'encaisser. Ah, on va m'asseoir en même temps. Oh, quoi ça? C'est ça, je suis là. Excuse-moi, ma chérie. Ah, c'est les oiseaux seulement qui mangent arachide. Les grands vrais aussi, quand ils vont entrer aux oiseaux, parce qu'ils mangent arachide. Ah, mon père, j'ai plus de rien. Ouais. Bonjour, petit. Viens ici, approche-toi. Regarde bien l'homme là. Tu le connais? Non, je ne le connais pas. Regarde-le bien. Tu ne me connais pas? Je t'ai fait venir, c'est pour bien le regarder. Regarde-le bien. Moi? Tu le connais? Non. Regarde, faut pas m'énerver. Madame, tu ne me connais pas? Voilà. Regarde-le. Tu ne me connais plus. Comment le commander Dodo là? Voilà. Petit, hein? Tu es venu voir Dodo non? Allez, Dodo! Voilà. Dodo, demande de faire Dodo, on fait tout ensemble. Mais je ne le connais pas. Oh, bien, faut pas me connaître. Comment tu me connais pas? Vous n'avez pas fait le corps ensemble? On a fait le corps ensemble? Petit. Ah, Dodo, quand même, Dodo me connaît.
L'école que j'ai fait là, je suis restée au CP2. Oui. J'ai fait trois fois la même classe, puis mes parents m'ont dit de m'asseoir. Voilà. Donc, tu as été renvoyé au CP2, non? Oui. C'est là il a été renvoyé aussi. Non. Ah, t'as tué du tout derrière, pourquoi? Mais je ne le connais pas. Comment tu ne le connais pas? Lui-même, petit, tu connais celle-là? Il ne sait même pas pourquoi du sud. Alors, comment tu. Lui-même, il dit que c'est toi, tu dis que. Non, c'est pas elle, c'est Dodo. Oh, attends, petit, tu as dit Dodo, non? Oui. Tu as dit Dodo, non? Quoi? Voilà. Donc, tu restes tranquille. Je suis le camarade de Dodo. Voilà. Je sais, tu m'as déjà tout raconté. Laisse-moi. Moi, je fais le reste. Okay? Ah, il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, ben, je te fais confiance. Je prouve que cette grossesse même n'est pas à lui. Quelle grossesse? Sion. Quelle grossesse? Tu as dit, petit, tu la boucles. Tu la boucles. Moi, ben, pas me parler comme ça. Ta gueule qui bavarde, je vais frapper dessus tout de suite. Vraiment. Si tu la fermes pas, je vais te frapper. Espèce d'andouille sauvage. Tu n'as pas dit comment je suis haut? Tu n'as pas dit je suis haut? Et tu viens te jeter sur mes arachides? Hein? Bon, d'accord, je m'excuse. Pas parce que je pas vu. Mais je t'ai dit que je ne le connais pas. Faut pas. Assieds-toi ici. Ce que tu as cherché là, ça tu as trouvé. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Voilà. Hein? C'est ton amant qui est là. Non. Tu sais, on dit tous les jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. Je savais que j'allais finir par savoir. Zion, comprends. Donc, je te comprends. Je vous comprends. Je vous comprends. Je vous comprends. Vous entendez? Oui. Voilà. C'est Dodo que je veux voir. Voilà. Peut-être que c'est Assia qui est venu voir. Non, c'est pas Assia, c'est Dodo. C'est pas Assia, voilà. Je connais bien Dodo. Oh, petit. Oh, quel petit. Et puis il a fait ça. Je tape dedans, parce que ça ne m'appartient pas. Je tape dedans comme je veux. Mais si t'es petit, non, ça, tu me trompes et puis tu fais ça. Je t'ai jamais trompé. Comment tu m'as jamais trompé? Ce petit-là, tu petit. Le connais. Petit, assieds-toi. Tu as vu ce que tu avais me créer. C'est un bonjour, il est mon gars. Non. Bonjour, là, ça va devenir bonsoir après. Voilà. Assieds-toi. Tu peux te chercher là. Non. Je dis assieds-toi. Je te parle là, tu ne me comprends pas. Hein? Donc, tu le connais. Parce que hier soir même, tu allais lui donner à manger. Hier soir, à quelle heure? Oh, tu allais lui donner à manger. Hier soir, entre 19 et 20, tu étais où? On était ensemble. Avec qui? Toi, tu étais ensemble avec moi. Toi, tu étais là avec moi? Non. Quand je ne te voyais pas là, tu étais où? Mon bébé. Petit. Adam, mon bébé. Non. Non, peut-être on ne s'est pas compris. Recule. Petit, viens ici. Hein? Viens faire les pieds en l'air. Je te jure qu'on m'envoie. Oh, petit, viens faire les pieds en l'air. En fait, moi-même, je ne connais même pas où je suis venu. Entre tuer et pieds en l'air, c'est quoi tu préfères? Ça fait de rendre service à qui a arrivé là. Voilà, justement. Et moi, je t'ai demandé de rendre service, de me rendre service en grossissant ma femme. Hein? Oh, là, tu mets les pieds alors! Regarde-moi ça, tu es malade ou bien quoi? Tu crois que, tu vois, on dit tous les jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. Tu as l'attrapé. Mon il s'est amené. C'est ton amant. C'est ton amant. Hein. Tu as dit quoi? Lève-toi. Mets ça. Écoutez, décidez-vous. Hein. Quand est-ce que vous allez payer l'argent de mon mari? Hein? C'est pour ça que je suis assise là. Hein? Maintenant, là, il n'y a rien. On a rien. Mais heureusement, comme c'est presque la fin du mois, c'est ça. À la fin. À la fin de ce mois-là, je vais rembourser. Oui. Attends, vous vous foutez de ma gueule? À la fin de ce mois que vous allez rembourser? À la fin de ce mois-là même. Vous êtes salarié? Hein? Les salariés parlent des fins du mois, les vagabonds aussi parlent des fins du mois. C'est à la fin que l'argent sort. L'argent sort d'où? Ça, c'est pour les travailleurs. Ah! Vous, au moins, vous avez quelque chose à manger? Mon mari est couché là-bas en train de bailler seulement. Il n'a rien à manger. Et vous me parlez des fins du mois? Comme si à la fin du mois, on allait vous payer quelque part. Voisine. Quoi? Ça là, c'est nourriture. C'est quoi alors? Petite sauce là. Tu n'étais pas en train de manger? Il faut avoir pitié de nous un peu. Chut, pitié! C'est pitié qui va nourrir mon mari. Le monsieur est couché là-bas, en train de mourir de faim, tu me parles de pitié? Eh bien, si tu vas à la fin du mois, je vais partir. Si tu vas, faut le dire à mon frère. Faut le dire à mon frère de... d'attacher son cœur. Ça va aller. Ça va aller. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est dur, hein. C'est dur, mais demain. Je ne dis pas après demain. Demain, la même demain, on sera dans le beurre. Ça va aller. Quand moi, je vais aller en Amérique, là,
quand je vais entrer en Amérique. Arrête tes enfantillages, on parle de choses sérieuses ici. Tu nous parles d'Amérique, Amérique, Amérique. Mais ça veut dire quoi ça? Mais qu'est-ce qui est mauvais dans ce que j'ai dit là? Amérique, Amérique. Qu'est-ce qui est mauvais? Moi je dis que je vais aller en Amérique là, qu'est-ce qui est mauvais dedans? Mais maintenant tu me surprends, hein? On dit ton mari va aller en Amérique, toi tu n'es pas heureuse. Eba même qui est là, si on lui dit son mari va aller en Amérique, elle va être heureuse. Ou bien Eba? Oui, mais je vais être heureuse. Mais, si mon mari ne pouvait parler d'Amérique aussi là, j'allais être contente. Oh. Je suis ce poltron là, celui qui n'a même pas 5 francs pour s'acheter un sachet d'eau. Et là-bas encore, on doit 35 francs. Là-bas où? Où on vend de l'eau 5 francs, 5 francs. Donc si je comprends bien, vous devez partout. Non. C'est pas nous seuls. Ouais. Ah, mais je vous préviens. Dès que vous avez une entrée d'argent, là, c'est pour nous là vous payez d'abord avant de payer qui que ce soit. Il n'y a pas de problème. Ah! Donc comme ça, vous devez aux gens. Vous vivez à crédit. Ah non, ça ne peut pas se passer comme ça. Mon mari a besoin de ses 175 francs. Voilà, monsieur. Je vais rembourser. Toi, après les 35 francs, là, on t'a demandé. Non, est-ce qu'on t'a demandé? Ta bouche ne peut pas se taire un peu? Il y a 35 francs, je n'ai pas dit rapide. C'est pas ça qu'elle vient de demander. Elle vient de demander 175 francs. 175 francs. Tu parles de 35 francs, 35 francs. Moi, je vais rembourser son argent. Tous ceux à qui je dois là, je l'ai remboursé. Elle-même, l'argent de son mari là. Quand je vais aller en Amérique net, je fais transfert. Transfert d'argent. On va lui donner son argent. Puis vous allez avoir honte, vous qui parlez de ce moment là. Transfert de combien? Faut te taire, hein. Faut respecter ton mari. Faut respecter ton mari. Tout ce que je prends, c'est pour que tu ne sois pas malheureuse. On t'a demandé 35 francs. Transfert 165 francs. Ah! Oui! Mais puis, le mari, il est là! Ah! 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 Je vais chercher une corde. Là, je vais t'attacher ton amas ici. Ton amas, là, je vais l'attacher ici. Là, il sera à côté de toi. Oh, attends, faut pas discuter avec moi. Attends-moi, je viens. Lui, mais il fait quoi dans la cour? Tu vas dire deux petits mots à la fille, elle va sortir. Il va s'éterniser tellement il aime parler. Mais faut parler, hein, parle. Mais si tu t'es trompé à me doubler sur la fille là, ça c'est accident, tu vas voir. Non, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Non. Je ne te connais pas. On m'a volé chez Dodo. Dodo. Tu faisais quoi là-bas? Ah! Mais si ça va pas, faut sortir, tu vas me dire. Non, non, ça va. Ouais. C'est la vie là. Elle est jolie. Je t'avais dit non. J'espère que tu n'as pas tenté de me doubler. Non. Ça t'est passé comment? Très bien même. Elle est folle de toi jusqu'à bas. Elle est trop mouche de toi. Tu dis quoi? quand je parle comme ça, elle me dit non, t'es appelé, t'as qu'à venir en même temps. Moi? Oui. Je vais venir là-bas. Oh, bah, t'es de voir. J'aime pas les blagues là. Elle t'a dit de venir moi-même. Si, man, vous tournez quand même. Vous dites, elle me tue en même temps. Non, c'est bon, c'est bon. Et quoi? Voilà. Bon, donc, allons-y. Allons. Non, faut aller seul. Moi, elle m'a déjà vu. Si moi, elle me voit là, ça sera trop. Tu dois aller seul. Faut partir vite. Si tu arrives là, tu dis Toto. C'est qui est sûr? Quand tu es arrivé, c'est un petit qui a trouvé devant la porte quand il a porté le chapeau. Donc, ça ne veut pas le faire là. Non, c'est un petit. Tu dis petit, ça va, je vois Toto, il va t'appeler. C'est venu. Non, attends. Voilà. Si t'arrives à fond, lui-même, ils vont tout arranger pour toi. Ouais. Il faut me voir. Il fait sale. Ouais. Il est bouché ici à la porte. Va vite. Ouais. Non, viens. Pour quoi aller maintenant? Oh, va aller. Voilà. Non, ma belle. Je ne peux pas te dérouler encore.
Ça, c'est quelle femme, ça? On peut même pas manger à côté d'elle. Si elle était là, la petite attaquée, là, c'était fini déjà. Ah. J'étais gros comme ça. J'ai maigri. Je ne savais pas continuer. Ah. Quand même. Elle passe son temps à manger. Quand on ne peut pas rester, avoir un foyer. Tu vois, par exemple, on dit, bon, il faut avoir une femme qui est quelqu'un. J'ai mis ça dans mon sac. Maintenant, qu'elle dort. Mais comme elle est sortie, quand le chat sort, la souris fête son anniversaire. Qui? Mais ouvre la porte, comment ça c'est qui? Tu habites avec lui dans la maison. Mmh. Ah, c'est toi, je dormais. Tu dormais à cause de ça, tu as fermé la porte comme ça. Mmh. Ah. Quand je te vois comme ça, là, ça me fait trop quelque chose. Je sais que tu as faim, mais là, là, il n'y a rien à manger. Ce que je suis partie chercher, là, je n'ai pas eu aussi. Mmh. Moi, je suis un homme. Moi, c'est quoi, mais c'est toi surtout que quand tu es femme, c'est difficile. C'est ça qui m'inquiète, en fait. Mmh. Toi, tu as mangé, là, c'est bon pour moi. Mmh. Quand tu me parles comme ça, là, vraiment, ça me donne envie de pleurer. De plus en plus, vraiment, pour te dire la vérité, quand tu parles comme ça, là, je t'aime trop. Oui, yeah. Oh, je t'aime. Malgré ton vie d'amour et d'eau fraîche. En fait, j'avais fait un bisou. Non, un bisou, ça peut attendre, non? Non, je vais faire un bisou. Non, pourquoi ça maintenant? Non, tu veux faire ça après. Ah, non. Donne-moi ta main. Mmh, tu as mangé d'Aba. Toi, tu as mangé d'Aba. Moi. D'Aba sort dans ta bouche et puis ça sent dans ta main aussi. Non. Tu n'as même pas honte. C'est la tu m'as appris pour venir mettre dans cette maison-là. Je suis quitté chez mes parents pour venir ici. Là. Toi, seul, tu te caches, tu manges. Attends, c'est la galère qui fait que le fonctionnement normal de tes narines là, a changé. C'est pas fonctionnement normal. Tu as mangé d'Aba. J'ai parié que tu as mangé d'Aba. Où tu as mis ça? Regarde, où tu as déposé d'Aba? J'ai demandé au Seigneur. Oui. De nous envoyer Garba. N'a qu'à penser à nous. Seigneur mon Dieu éternel. Regarde, il faut arrêter tes trucs là. Hein. Je suis sûr que tu as mangé Garba. Nous t'implorons. Je suis sûr. Éternel. Regarde ça. Regarde ici. Mmh. Ça là c'est quoi? Mais prions pour ça moi. C'est quoi? Il a commencé. Non, tu n'as pas honte. Tu vas fumer Garba. Seigneur, fais en sorte que ma femme ait le Garba. On perd ce miracle, Seigneur. Ce Garba est la sauce. Toi seul, peux nous donner à manger, Seigneur. Tu es imbécile! C'est là tes miracles là! Gloire à Dieu! Tu n'as même pas honte! Merci mon Dieu! Tu n'as pas honte! Moi je suis pas là, tu manges derrière moi! Seigneur, hein? Merci pour tout! Dis merci à Dieu! Laisse-moi là-bas! Tu parles de quel miracle toi? Miracle! Tu voulais manger Garba non? Je voulais manger Garba, tu j'ai prié. Toi tu savais pas que je voulais manger Garba, et puis toi tu as mangé derrière moi ici! Tu as prié qui? Ça là, tu mangeras pas aussi! Non, bon. J'ai dit, tu manges pas aussi. Non, yeah. Mais tu as tout mangé. Non, c'est regarde comment le sachet non, est gros. Regarde le sachet. Non. Regarde comment c'est gros. Non. Et regarde ce qui reste dedans. C'est l'éternel. Non. C'est l'éternel. Regarde, il faut laisser l'éternel là où il est. Qui a fait opérer ce miracle. J'ai dit, tu manges pas aussi. Non, moi, ce je vais manger ça devant toi. Regarde. Nous nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Ah bon, tu ça savais pas lui. Ah, tu savais pas ça. Hein? Et puis toi, ce tu. Donc, ça, là, pour moi, tu ne peux pas manger. Non, pas. Alors, petit. Donc, si je comprends bien, c'est Dodo que tu es venu voir. Oui, oui. Mmh. Et tu la connais? Ah, je vais. On est dans la même école, là, c'est ce qu'elle a dit. Ah bon? Ouais. Donc, Dodo aussi te connaît très bien. On fait souvent un échange de livres. Mmh. Ouais, ça dit quand j'ai besoin de son livre d'exercice comme ça, là, elle me donne. Moi, je peux lui passer aussi mon livre de physique. Voilà. Voilà. Vous complétez quoi? Voilà. C'est quoi? C'est... Donc, vous comprenez bien, hein? Ouais, on se comprend bien. Hey, les enfants. Donc vous connaissez comment exactement? Vous connaissez comme ça?
Ah, elle a deux connaissances encore. Comme on est dans la même classe, ouais. Tous les jours on se voit, on se connaît. Bon, ah, on fait les exercices ensemble. Oui, ça se passe. Et ça se passe bien. Bon, oui, ben. Petit, tu peux répéter ça devant Dodo hein? Moi-même. Oui. Aïe. Il dit c'est ma camarade de classe. Ça même. Bon, je ne sais pas si elle vient là. Même si elle me voit, elle va me reconnaître. Très bien. Tu comment tu t'appelles? Moi, c'est Nadjo. Na quoi? Nadjo. Nadjo, ah, oh, d'accord. Ouais. D'accord. Moi, on m'appelle Zion. Ouais, ouais. Les Anglais m'appellent Zion. Ah, oui, mais. Donc, là, c'est un nom qui est cool, ça. C'est cool. Allez, hein. Donc, tu es Rasta, quoi. C'est ça, je suis Rasta. Ah, oui, ouais. C'est ça, tu es un adepte de bon balai. C'est ça. Ah, oui, mais tu es vraiment cool, quoi. Ça. Tu vas t'asseoir? Prends une chaise, va t'asseoir là. Ouais, merci bien. Voilà. Ma jolie! Bébé! Oui, papa! Apporte à boire. À notre étranger. Voilà. Non, non, plus gros que ça. Plus gros! Hein? Non, non, pas toi. Toi, viens avec. Plus gros que ça. Petit! Fais attention, sinon tu risques de tomber avant les choses sérieuses. Et voilà. Ah non, ça va aller, ça va aller. D'accord, oui, ça va aller. Moi-même, je sais que ça va aller. Je tiens. En tout cas, il faudra tenir jusqu'au bout. Non, il est super. Moi, je tiens toujours. Toujours. Ouais. Voilà, donc, voilà. Donne. Prends. Voilà, merci, il faut partir. Tu sais, chez nous, quand on reçoit un étranger, ce qu'on a de plus précieux, c'est l'eau. Oui, oui, ça c'est l'hospitalité africaine. Voilà, bois petit. Mais vive, elle a oublié le gobelet. Non, on ne boit pas le gobelet, ça c'est le contact direct. Ah non, je peux mettre ma bouche dedans. Bois comme tu veux. Ah d'accord. Non, 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 on ne dépose pas par terre. Et voilà, d'accord. On ne dépose pas. Hein. Non, bois. Mais vive, j'ai bu. Non, tu n'as pas encore bu, il faut boire. Petit, non, y a pas ça là, y a bois. On boit. Ouais, c'est venu pour ça. D'accord, il y a bois. Si c'est bois, ça va, il n'y a pas de problème. Et toi, tu me laisses tranquille, hein? Laisse-moi tranquille. Et toi, nous, on a des comptes à se rendre. Tu comprends? J'ai compris. Ah, je suis bien. Non, tu n'es pas encore bien. Petit, il faut boire. Hein? Boire. Il y a bois comment encore? Petit, il faut boire. C'est l'eau qui est devant toi, là. Ça, là, bébé, non. Il a fini ça là. C'est ça là, on finit toujours. Et c'est ça là, une seule personne peut finir. Quelqu'un finit ça, petit faux, bon, on va quitter ici. Pardon. Oh. Non, pardon. Étranger qui vient d'arriver chez toi, tu lui donnes à boire, il te demande pardon. Essaye à pardon là ça. Non, mais ça là, il non. Fini, pardon. Oh, petit, bois là, on va quitter ici. J'ai dit, petit, entre tuer et boire l'eau là, c'est quoi tu préfères? Non, je préfère boire. Bois, qui t'a ici? C'est ça, j'ai dit. Tu vas boire? Petit, bois, on va quitter ici, on n'a pas trop de temps. Il y a bois. Alors? Il y a bois. Faut balayer. Il faut balayer. Hé! Hey. Balayer. Je pense que tu as déjà la maison. Tu as déposé la terre encore. Le soleil s'incline toujours devant la tombée de la nuit. Abedre, toi ton soleil est comment? Il s'élève toujours à l'est, mais refuse de se coucher à l'ouest. C'est grave. Dites-moi, ma chérie. Mon vieux! Ouais, on me dit! Ah, ton fils! Ah, Yahweh! Ouais! D'accord, y'a pas de drap? Ouais, c'est quoi? C'est pour laver? Non! Faut bien repasser sa propre. Ah, d'accord! Voilà! Bon! Ah, y'a pas de drap? Ça, c'est 50 francs? Voilà! Ça, c'est 50.
Non, c'est 150. 150. Oh ouais. Ok. Pourquoi c'est pas 150 mais... On me dit. Et c'est ça là, c'est comme les autres. Il y a un pantalon qui est là, on dirait que c'est pour 3 personnes là. Mon Dieu, faut pas insulter mon papa, hein. Tu le connais pas, faut pas l'insulter. Ah, donc c'est ton papa. Et mon papa? Si. On me dit. Est-ce que tu es sûr que ton papa peut avoir ta aide dans le pays là? Récoumba. Ah là, tourne-toi là-bas. Est-ce que tu es vraiment le fils de ton papa? Ah mon vieux, c'est pas arrivé là-bas. Non, c'est que de toute façon, je vois le pantalon, c'est que ton papa est gros, toi tu es quel est. Non, tu parles trop, mais maintenant il est parti dans les enfers. Non, attends, pardon, frère, Lili. Petit amusement, tu vas te fâcher. Comment? Laisse cool. Hein? Bon, ça veut l'argent, non? Ça veut l'argent. Bon, ça là, 5 francs, ça c'est 100 francs. Non, 150. Non, 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 non. 50, 50. C'est comme ça on fait au quartier? Oh, mon petit. Pardon, attends. Miss! S'il vous plaît, une minute. J'habite. Non, c'est pas vous. Ça va? Bonjour. Excuse-moi. T'as dit. Dans le quartier ici, quoi, ils voient les filles qui passent, qui défilent ici là, quoi. Mais voilà, voilà, j'ai pas encore vu une fille canon comme toi. Non, amusement de côté, hein, tu es trop bâtard, tu es trop belle. Elle dit, bon, il y a longtemps, mais je voulais te dire ça, mais aujourd'hui, j'ai pris mon courage à deux mains, quoi, pour te dire, vrai, vrai, là, non, tu es belle. Merci. Non, c'est pas pour merci, hein, c'est vérité même. Vérité, tu es trop canon. Ça y est, non? Et toi, je te reconnais. Hein? Oui, je te reconnais. Ah bon. Hier, tu n'es pas allé voir maman. Ouais, si, si. Ah. Je suis parti chez vous, mais en fait, c'est pas ta maman que je partais voir, c'est toi-même que j'allais voir. Mmh. Ouais. Ah. Faut excuser mon papa pour ce qu'il t'a fait, quoi. Faut l'excuser. Mmh. Bizarrement, avant que tu ne viennes là, il y a un jeune qui est passé par là. Il a souffert, le jeune là. Mmh. Oui! Oh, il a trop souffert. Non, pour moi, là, c'est pas grave. Hein. Mmh. Moi, mais je devais dire merci à ton papa. Parce qu'il m'a permis de rentrer dans mon ancien élément. Tu sais, avant, j'ai fait la formation militaire. Mmh. Oui, oh, oui. Dans l'armée, là, on a fait ça le bizoutage. Ça dit, on pompe, on lave les assiettes, on plonge dans l'eau sale, tout ça là. Ça dit, j'étais dans mon élément, quoi, grâce à ton papa. D'accord. Mais ce qu'il voulait, quoi, c'est que chaque fois quand tu passes ici, là, il faut faire escale pour moi, quoi. En fait, ici, c'est pas ma blanchisserie. Hein. C'est chez mon cousin, mais souvent, je viens le remplacer. Donc, je voulais qu'il n'a qu'à avoir ça entre toi et moi, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? C'est que si j'en pense. Ah d'accord. Sinon moi-même mon nom là ça assied. Mon nom là ça assied. Non, c'est pas Dodo. Non. Moi voilà, c'était Dodo, hein. Ah toi-même, tu cherches pas à connaître le nom de la fille que tu veux voir, puis tu t'en vas comme ça. Tu vas te mettre dans les problèmes. Non, c'est un petit jaloux là. Comme je lui ai dit qu'il allait t'aborder, quoi. Comme lui n'a pas le courage, par jalousie, il m'a trompé. Ah, il me met dans un truc comme ça. Donc c'est ancien. Oui. Ah, d'accord. C'est que si je vais réfléchir à ce que tu m'as dit. Je ne te promets rien, mais je vais réfléchir, je vais voir, quoi. Mais je peux espérer, hein. Tu sais, mon papa là, il est méchant. Il ne lui laisse même pas sortir. Oui, mais tu peux faire un petit effort pour moi quand même. D'accord, je vais voir. Hein? Je vois. Je vois. Bon, merci, je vois. Merci d'avance. Pour partir. À cause de 150 francs, moi, j'ai arrêté mon bonheur. Ça, c'est mon foyer qui est là comme ça. Pour partir même. Regarde-moi ça. Pantalon pour 10 personnes là. C'est quelle facture tu as payé pour ça là? Non, il n'y a plus de boxeurs ici. C'est quel boxeur tu les vois même réagir? Sa petite tête comme ça, on dit tête de moi. Il suffit d'un seul coup pour faire ce que... Papa! Papa! Oui? Voisin. Bonjour. Entre. Ah, d'accord. Et madame? Non, elle est allée voir sa tante qui est un peu souffrante là. Ah, elle va revenir maintenant?
Bon, elle vient de partir, donc c'est pas sûr qu'elle soit là maintenant. Ah, elle va durer là-bas. Je pense. D'accord. Donc, ça tombe bien, en fait, c'est toi-même que je venais voir. Ah. Bon, mais, attends. Eh, voisin. Ça va? Ah, oui, ça va. Ouais, chez toi, ça va. Ah, on a toujours de l'espoir. Ah, d'accord. Voisin, en fait, je voulais te poser une question. Hier, là, quand on parlait, quand j'étais venue pour l'argent de mon mari, quand on parlait, tu avais parlé d'Amérique. Est-ce que c'est vrai, vrai? Moi, là, je vais vous surprendre. Pardon? Moi, je surprends les malades, je surprends ceux qui ne croient pas. Moi, ce n'est même plus un projet. C'est-à-dire, je suis. Vous me voyez ici, mais ma tête est déjà en Amérique. Ah bon? Je suis presque parti, hein. Ce n'est plus qu'une question de jour. Quoi? Moi, je suis déjà. Moi, ma tête est déjà là-bas. Ah. C'est mon frère que vous voyez ici. Ma tête là, c'est déjà en Amérique. Oui. Moi, je suis parti comme ça. Hein. D'accord. Mais dis-moi, en fait, je voulais te demander un service, quoi. Voilà. Je voulais te demander un service. Quel service? Quand tu vas partir en Amérique, je voulais que tu me prennes pour partir. Qui, toi? Ah non, non. Oui, jamais. Bah, tu vas te prendre avec moi, tu vas m'encaisser aux États-Unis là-bas. Non, 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 si c'est pour ça même. Non, je ne veux pas t'encaisser. Non. Toi, tu es venu m'encaisser ici, on dirait que tu es venu avec un bataillon là. Non. Non, attends, vas-y, attends, je vais t'expliquer. Merci. Non. Non, je vais t'expliquer. En fait, c'est mon mari. Moi-même, je lui ai dit, hein. J'ai dit, mais à cause des 75 francs, le monsieur ne peut pas respirer. Je lui ai dit, cet argent-là, je ne vais même plus aller l'encaisser. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Non. Il faut oublier même les 175 francs. S'il me demande là, je lui dis, c'est quoi même? C'est quoi? À cause des 175 francs? C'est quand même un homme important. C'est quand même compliqué. Ah, c'est là. Suis-moi, moi je voulais pas venir. Bonjour, bah, ta façon d'encaisser là. Non, parce qu'en fait, si je faisais pas fort, peut-être il n'allait pas m'entendre et puis il va se dire que je suis venu, je n'ai rien fait. C'est fait exprès. Et puis voisin, si moi je n'étais pas venu t'encaisser hier, est-ce que j'allais connaître ton projet? Je n'allais pas savoir que tu étais un homme aussi important. C'est le hasard. Ah, c'est ça. C'est le hasard. Oui. Donc, en fait, faut oublier pour hier. Faut oublier. Puis bon, il faut me mettre dans le projet. Projet pour aller en Amérique. Il faut me mettre dedans. Tu vas pas regretter. On va voir, non. Eh, voisine. On va voir. Voisine, je t'explique bien. Hein. Tu vois, c'est en fait. Non, moi je comprends. Je comprends déjà ce que tu dis. Non, tu peux même déjà te considérer comme à Washington. Donc tu as accepté. Non, à Washington, comme à New York, comme à Atlanta. Mais où tout tu ça, voudras rester? C'est le but de la vie. Dis-toi que tu es déjà parti. Moi, mais le soir, on va bien régler ça. Le soir. Voilà. Le soir, on va bien régler ça. Après. On a le temps de faire ça. Mais quand ta femme va revenir là? Non, mais est-ce qu'elle est collée moi? Le soir, il faut dire que tu es déjà parti comme ça. Toi seulement là, tu es déjà parti. Même sans visa, tu viens avec. Comme ça, il faut toujours tenter sa chance quand on est déjà. La vie, je te dis que la vie, c'est l'espoir. Oui, c'est vrai. Et tu sais que tu allais me la vendre. Non! Et puis, il a fallu que tu prennes les 175 francs de mon mari pour que lui, il me pousse. Tout est tracé. À bénir. Dieu a tout tracé. Le destin, là, ça existe. Donc, le soir. On va continuer de ce moment. Le soir, on va régler tout ça le soir. D'accord, on va parler. Okay. Hein? Le soir, hein? Eh, voisin. On est parti comme ça. D'accord, voisin. Donc, je reste à l'écoute. Mes yeux seront dehors. Ok, vas-y, on va faire comme ça. La vie. L'Amérique. L'Amérique.
Il est vraiment le plus grand au monde. Non, pour tout, non seulement il faut dire la mairie, il y a tout, même tout ça. La vie, faut avoir l'espoir dans la vie, hein. Donc quand je vais être là-bas, alors, quel espoir. Toi, quand tu parles, tu me crois pas, non? Quand moi, je te dis la goule, il est tombé ça là, tu crois pas. Yes, j'ai pas d'acier. Attends, première, on n'a pas encore fini cette douleur. Tu veux mettre deuxième encore deuxième? Mais c'est elle qui s'appelle Acier. Dodo là, c'est le nom de sa maman. Et puis tu as rendez-vous elle où? Ici. Ce soir même, ce soir. Je te comprends. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment il a dit que je te comprends. Mais c'est maintenant même que je te comprends bien. Ouais. Je peux t'expliquer? Non. Parce que tu me dis que toi tu as rendez-vous avec Acier. Oui. Et que c'est pas Dodo. Non. Et puis tu as rendez-vous avec elle ici. Oui. Ça veut dire que tu veux qu'on brûle mon coin là quoi. Mais qui va brûler? Mais si tu as rendez-vous avec elle. Une fois on est parti, on a vécu cauchemar là-bas. Toi tu veux. Mais tu veux quoi? Oh. Regarde. Faut laisser ça. Moi je t'ai dit. J'ai rendez-vous avec la fille là. Ici là, je l'ai attrapée ici. J'ai parlé dans ses oreilles, c'est rentré, elle a dit d'accord qu'elle vient ce soir. Elle vient seule. Tu sais, dans la vie là, quand tu n'as pas honte là, faut avoir pitié de toi-même. Quoi? Non. Cauchemar de ton ami, toi tu prends pour t'amuser comme ça? Je m'amuse pas. Attends. C'est bon ça. T'as compris non? Non, faut faire ça. Ça dit que quand on dit dans la famille, il y a les gros qu'elle là, c'est ce soir là, tu vas voir. Ah bon? Moi, ici, un garçon pile ou bien? Hé, hey, Acier, ça, ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied. Non, t'es là. T'es là. Non, t'es trop loin. Non, change aïe. Non, pour te dire la vérité, je suis enjaillé. Franchement, je suis enjaillé. Je ne sais pas comment t'exprimer ça. Non, il y a ça et puis on se fatigue. C'est toi qui te fatigue. C'est vrai, j'ai perdu le temps ailleurs pour rien. Non, ça dit, t'es trop au point. C'est quand même, on s'est jonglé, c'est quand tu te lances en l'air comme ça, tu viens amorti. Et on dirait pouf. Arrête, c'est beau, mec. C'est qui signifie? Non, je suis plus que heureux. Quand tu me vois là, je sens pas que. Mais tu vois que je t'avais dit. Je t'ai dit que pour moi, là, c'est pas du n'importe quoi. C'est vraiment pas du n'importe quoi. Mais tu sais, c'est l'apparence qui trompe. Tu comprends? C'est l'apparence. Quand je t'ai vu là, j'ai dit, mais est-ce que celle-là, elle est capable de certaines choses? Mais quand tu as mis ton moteur en marche, le moteur turbo, quand ça fait boum! Oui, attends, j'ai vu Dieu deux fois. Doucement. J'ai vu Dieu deux fois. Non, mais ton moteur, il est nickel. Le moteur en forme comme ça. Nouveau moteur. Non. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Si vraiment Dieu pouvait occasionner ce genre de rencontre entre toi et moi, de temps en temps. Non, mais attends. Même si tous les deux jours, non, tous les jours même, tous les jours. Mais il n'y a pas de problème. Hein? Tu as bien entendu. Il n'y a pas de problème. Si tu veux même qu'on se voie demain, on se verra demain. Sans blague. Mais sans blague, je te parle de quelque chose. Non, là, tu dois me tuer. Tu dois me tuer. Là, tu peux tuer un cadavre. Je dis, là. Hé! Arrête cardiaque d'amour, là, c'est ça, il y a à voir. J'ai compris. Il y a à voir, ça va mourir dans ta main en même temps. C'est entendu, j'ai compris. Tu es heureux. Je suis heureux. Très heureux. Yeah! Non, ya. Bon, je vais rentrer, donc on se voit demain. Hein? J'ai compris ce que tu m'as dit là, mais je vais réfléchir. Laisse-moi le temps de réfléchir. Tu vas réfléchir comment encore? Tu as compris et puis tu vas réfléchir encore. Laisse-moi le temps de réfléchir. Toi-même, tu sais que mon père c'est vrai. Tu l'as vu, non? Oui, mais ça là, ton papa là, ça c'est rien. T'as vu, non? Tous les parents là, c'est comme ça, au début c'est comme ça, ils font. Mais si tu acceptes mon amour là, il va devenir gentil comme un petit mouton. Oui, mais tous les parents là, est-ce que toi tu as vu un parent qui accepte qu'on sorte avec sa fille facilement? Tu dis, il finit, il commence chaud et puis vers la fin, il accepte. Ok. D'accord.
Aïe. Mais c'est lui. Qui? Lui là. C'est lui. C'est lui que mon père a châtié hier là. C'est lui. Ah. C'est qui? Toi. Hey. C'est ça, t'as fait chatouiller. Oui. Hmm? On appelle ça tentative de meurtre. Oh, ton papa, c'est un assassin. Oh, faut pas le couper. Faut pas dire, il te gifle ta. Oh, alors, laisse ça là. Regarde, c'est son voyeur qui l'a envoyé dans ça là. Quelqu'un ne t'a pas envoyé quelque part. Tu vas là-bas. Qu'est-ce que tu vas recevoir? C'est un animal. Mais tu veux que je te parle comment? Ah oui. Au début, là, je pensais que c'est parce que tu étais malade que tu n'avais pas de cheveux. Mm-hmm. Mais c'est pas que tu étais traite comme ça. Hein? Ah, donc, c'est traite qui a enlevé les cheveux sur ma tête. Mais oui, tu es trop traite. Oh, ouais. Toi, tu t'as en fait ton papa, tu as eu ton résultat. Tu dis, moi, je suis traite. Moi, je vais partir. Hein? Mmh, je vais partir. D'accord, donc on fait comment alors? Demain, là, tu peux venir à la maison. Comme mon papa voyage là. Hein? Mmh, il voyage demain. Si. Mmh. Donc demain, là, ça peut durer quoi? Oui, ah, ça va durer. Tu peux venir. Hein, ça m'enjaille. Mmh. Ça m'enjaille. Bon. Mmh. Mais je dis, est-ce que. Tu peux pas me donner 500? 500. 500. Mmh. Il n'y a pas de problème. Attends. Ah, d'accord. C'est ça. Non, merci. Il n'y a pas de drap. Donc, voilà. À demain. Mmh, à demain. Voilà. Merci. Irene. Toi, tu disais quoi? Qu'est-ce que c'est que la fille là? Il sent que moi, il est parti là-bas aussi. C'est nous deux, on va faire concurrence maintenant. Fais tes mensonges, tu vas voir. Faut pas dire. Il peut partir, non? Tu vas voir. Et puis, c'est quel argent tu dois donner? C'est quel argent tu dois donner? Non, c'est la recette de la journée. Recette de blanchisserie. Et puis, c'est même pas arrivé. Donne mon argent. Donne mon argent. Attends, calme-toi. Donne mon argent. Attends. Donne mon argent. Viens l'embousser. Viens l'embousser. Tu veux pas l'embousser? Donne mon argent. Oh, attends, calme-toi. Je suis ton frère, non? Ton argent, c'est mon argent, non? Quel argent? Oh, quitte là-bas. Quoi, 500 francs? Ça vaut même pas 500. C'est 400. Mais maintenant, elle va te remonter. Quitte là. On se retrouve là-bas. À la même heure. Hein? Mais faut pas manquer. En tout cas, je compte sur toi, je compte sur ta disponibilité pour moi. Bon, donc je vais te laisser. Je vais rentrer à la maison. Hé, papi. Mais attends, tu vas où là? Tu te lèves comme ça, tu t'en vas à la maison. Pourquoi tu t'en vas à la maison? Est-ce que tu me dois? Comment ça? Donc attends, tu penses que ta vidange là, j'ai fait ça cadeau quoi? Je comprends pas. Tu comprends pas quoi? La vidange que j'ai fait tout à l'heure à l'hôtel là, c'est cadeau. Donc, ça c'est payant. Oui, c'est payant. Alors découvre-moi le jeton immédiatement. Fais vite. Ah. Sincèrement, moi je ne comprends pas. Franchement, tu m'as pas dit ça au départ. J'ai besoin de te dire quelque chose. Non. Comme ça, avant de partir, on se met d'accord sur les règles du jeu. Je suis désolée. Mais tu ne me dis rien d'avance. J'ai dit je suis désolée. C'est maintenant toi me dire que c'est payant. Mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Tu veux qu'on nous regarde ici, non? Non. Tu veux qu'on nous regarde? Découvre-moi le jeton, fais vite. Doucement. Dépêche-toi. On a bien commencé, faut qu'on termine bien. Alors, décide-toi, fais vite. Non. J'ai pas besoin de te dire. Bon, enlève de ta couche, famille, fais vite, dépêche-toi. Doucement. Non, qu'est-ce doucement? Doucement comment? Les gens vont nous regarder. Ils vont nous regarder. Ils vont nous regarder. Tu sais ce qu'on va faire? Hein? Comme demain on se voit, je vais profiter en même temps pour te donner. Pas question! Tu as repris? Pas question! Tu me donnes l'argent maintenant. Tu as un problème ou quoi? Y'a quoi? Non mais occupe-toi de ce que tu regardes. N'importe quoi. Vous venez toujours déprogrammer les... Non mais je comprends pas. C'est un petit truc comme ça, on n'a même pas duré dessus. C'est ça que tu... Tiens. Quand Anna, tu me regardes là. Tu prends pas. Je ressemble à ça. Comment ça? Tu es malade. Ça va pas dans ta tête ou quoi? Attends, ça c'est pas l'argent. Je ressemble à ça. Je t'ai posé la question, je ressemble à ça.
Regarde-moi très bien. En tant que tu m'as pas encore bien vu. Tu veux que je me lève? Dis-moi. Donc ça là, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Tu as compris? C'est pas l'argent. Ça là, je ne veux pas. On t'a dit que c'est Mifon qui a fait de moi ce que je suis ou quoi? Hein? Quoi? Quand on était à l'hôtel tout à l'heure, tu étais en train de hurler, tu gémissais dans tous les coins là. Tu as oublié ta poufiasse de femme chez toi à la maison, non? Non, quoi? Je parle pas doucement. Ils vont m'entendre. Oui, je préfère le monde. J'aime le monde. Donc tu vas me donner cet argent là maintenant. Dépêche-toi. Augmente-moi l'argent. Sinon, tu vas me connaître tout de suite. Ce qu'on va faire. On n'a rien à faire. Attends, donne ça. Je donne pas. Tu as un problème? On se voit demain, ok? Là. Alors, donne-moi mes frères, j'ai payé ça là. Mais. Alors, tu es pour avoir. Hein? Tu es pour avoir. Regarde, si tu vois ton troubleau là, c'est pas moi qui t'ai créé des problèmes, hein? Sauvage. Imbécile. Chien. Regarde-moi ça. Occupe-toi de ce qui te regarde. Espèce d'andouille. Vous n'êtes pas content de vous. Vos oreilles sont dans la conversation des gens. Vous, qu'est-ce que vous verriez? Espèce de salaud que vous êtes. Ça vous regarde? Un bâtard comme ça. Ah, tu penses que tu es plus malin que les jeunes, quoi. Tu es vieux, on t'appelle vieux, tu te mets en boule. Moi, je comprends pas. C'est que le que tu m'as fait boire ici, là, c'est dans même ici, là, qu'elle vomit ça, et puis tu vas boire dedans. Tu vas vomir. Voilà. Hé! Hey. Bébé! Voilà, lui. Alors, quand tu es là. Non, ça, cette question ne m'intéresse pas. Ah, vieux père. Ouais. C'est moi ton bâtard, là. Hey, qui a dit bâtard? Non, tu n'as pas dit bâtard, c'est vrai, tu n'as pas dit bâtard. Tu vois, la dernière fois quand je te disais qu'on allait s'entendre, tu disais que toi, c'était pas... Toi, non, on s'entend. Non, tu es revenu, non? Moi, je ne peux pas te dire bâtard. Voilà. Au nom de Dieu, moi, je te respecte trop pour te dire bâtard. C'est ça même. Non, donc, allons dedans, je te demander des nouvelles. Et puis, tu as profité pour boire de l'eau. Je préfère retourner, quoi. Non, allons dedans, je te servis, toi, pour boire. C'est bon, tu n'as pas soif. Tu n'as pas soif. Non, bon, allons dedans, je te demander des nouvelles. Non, viens, c'est bon. Alors, tu peux te faire. Grand frère, tu n'as pas de crête à te faire. Regarde, je t'ai apporté ton passeport et ton visa pour les USA. Félicitations. T'es vraiment bravo, grand frère. C'est le vrai visa là qui est là. Grand frère, c'est ça qui est là. Regarde, il n'y a pas de visa.
You! Eh, Dieu! Ah! Eh, Dieu pour les pauvres! You! Tu dis, j'ai économisé pendant 3 ans! Ah bon? Moi que tu vois là! Qu'est-ce que je fais économiser? Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je peux économiser? Ma femme que tu vois, tu connais Malade? Oui, oui, je la connais bien. Malade ne mange plus. À cause de ça là? Mais ça, Dieu ne peut pas oublier ce enfant. Non! Grand frère, c'est là! Non, mais attends! Non. Oh Dieu! Dieu, tu as bien. Non, tu es très pauvre. Bon. Je ne sais pas. Ouais. Donc, assieds-toi. Je vais t'asseoir, grand frère. Vas-y. Viens là. Non, je te dis. Mon souci maintenant là. Je vais partir là même. Malade. Ça dit ma femme. Mm-hmm. Est-ce que je peux la laisser chez toi? Grand frère, il n'y a pas de problème. Hein? Elle peut venir dès maintenant. Parce que je te rappelle ton mot, c'est demain matin là. C'est demain matin. Vas-y. Rapidement, fais la bénir. Hein. Hey, ce soir, la malade vient à la maison. Tu es mon grand frère, il n'y a pas de problème. Attends, c'est pourquoi? Faut pas me dire. Il n'y a pas ça. Non, pardon, garde ton argent. Il n'y a pas ça. Je suis ton petit frère ou bien? Ah, Dieu. Ah, you la vie. L'Américain. Oh, non. Mademoiselle. Oui. Chérie, viens. Bon, ça. Mon frère dit va payer. Hein? Oh. Dans la vie, il faut être courageux. Ça fait combien? Hein? 700. Tu es courageux, Dé. Mais je sais que tu m'aimes vraiment. Ça, c'est rien. Tu n'as encore rien vu. Donc, quand toi et moi, on sera ensemble. Mm-hmm. Tu vas nager dans le bonheur. Non, pour toi seul là, je peux aller cambrioler une banque. Yeah. Pour te donner tout ce que tu veux. Et moi je sais. Hein? Je sais que. Heureusement aujourd'hui là, mon papa n'est pas là, il a voyagé. Ah bon? Il a voyagé. J'espère que ce n'est pas un piège. Hein? Non, c'est pas un piège. Il a voyagé vraiment. Donc il donne tout le temps. Donc tu vas me montrer ta chambre là. Ah, viens te montrer. C'est quoi? Mon papa. Il est revenu au train, il n'est pas parti. Il faut te cacher derrière le fauteuil. Lâche-toi. Oh. Hey, papa. Ouais. Tu n'es plus parti. Non, on a repoussé un peu. Ah. Tu es dans la chambre, tu me regardes pour toi. C'est vrai. Ouh. Ah, ya! Qui est là? Hein? C'est qui? Qui est là? Encore toi? Hein? Donc si je comprends bien, c'est ma fille que tu es venue chercher. Non. Mais tu cherches quoi ici? Hein? Non, ça, regarde ici. Cette fois-ci, c'est pas une d'autre va pas. Sauf pas. Cher Nadjo, ça c'est moi. Tu peux écouter, hein? Quoi? Il dit, bon, faut pas écouter. Moi, j'ai longtemps réfléchi à ce que tu m'as dit. Tu m'as démontré ton amour par la souffrance, l'humiliation. Ça c'est rien, il peut faire pire que ça encore. Vraiment, tu m'as impressionné. Tu as vu, non? Je l'ai impressionné. Ça, c'est la fille qui dit ça, je l'ai impressionné. Toi, tu es là, tu viens faire concurrence sur une quoi, moi. Toi, tu peux. Ça, t'es sûr que c'est la fille qui a écrit ça? Ah non, c'est elle qui a écrit. Gros français, il a compris dans l'état. C'est la fille qui a écrit. Oh, mais elle est au collège? Il faut laisser ça. Être au collège n'est pas synonyme de connaissance de papier. Ah bon? Toi, tu es le gardien du collège. Il est... Ou est français difficile qu'elle ne peut pas écrire dans ça? Faut laisser ça. C'est impressionné là. Ou bien c'est souffrance? La... Non. Regarde. Et puis, tu es sûr même que la fille a écrit ce que toi, tu dis là. Oh, faut le dire. Tu es allé à l'école aussi, non? Tu aimes discuter, les choses qui sont là devant toi, tu aimes discuter dans ça. Parce qu'elle a dit cher Mia quoi. Oui, oui, quel cher Mia là, ça c'est pas Mia, c'est Nadjo. Ah, c'est pas lui. Oh, il a beaucoup impressionné. C'est Nadjo.
J'ai longtemps réfléchi à ce que tu m'as dit. Voilà. Tu m'as démontré ton amour par la souffrance de voilà. Ma relation. Voilà. Oh, toi tu dis quoi? Quoi? Maintenant, tu m'as impressionné. Voilà, c'est ça la même là. Oh, comment ça? Toi tu es là. Avec... Qu'est-ce qu'il y a? Bon, donne ma lettre. La ville, elle t'aime vraiment. Alors, elle dit? Elle t'aime vraiment. Elle ne t'aime pas là, c'est ça, elle n'avait pas écrit ça. Elle a écrit quoi? Folie. Tu m'as impressionné. Ouais, allons. Mais vraiment, je ne t'aime pas. Attends, donne ma lettre. Ah, c'est bon. Toi, tu es malade. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, ça est où? Ça est où? Montre-moi ça. Est où? Ça est où? Et puis, tellement elle t'aime, elle a mis adieu. Hein? Il dit, tu n'es pas son genre. Et puis c'est vrai. Ah, il a bien le folle. Tu n'es pas mon genre. Et puis j'ai un petit gars déjà. Je suis trop fan de. Alors, mais pourquoi elle me fait les choses comme ça là? Pourquoi elle te fait ça? Moi, son papa m'a frappé. Moi, je l'avais à siècle. C'est pas grave. Laisse-moi dire. Moi-même, il rit plus. Faut pas rire. En tout cas, faut pas rire. Parce que ton riz que tu es en train de rire là, si tu m'as touché, non, si tu m'as touché là, au nom de Dieu, toute ma colère là, je mets ça sur toi. Faut me toucher, rire et puis tu as touché. Voilà. Voisine. Mais qui voyage? Hein? Je vais me reposer chez mes parents un peu. Ah, c'est toi qui... Ah, d'accord. Elle va juste passer un peu de temps chez... En famille, quoi. Ah, d'accord. Ouais. Okay. Ah, voisine, pour toi, elle est bien, oh. Bon, c'est important. Toi, où tu connais les vacances? J'arrive là-bas demain matin, hein? Mmh. Hein? Mmh. Voilà, mais... Au revoir. Ok. Au revoir, voisine. Chérie, je t'attends demain dès... Ah! Toi-même, si tu fais à manger là, faut pas m'oublier. D'accord. Faut pas m'oublier. Ok. Bon? Normalement, je devais être déjà parti, mais bon, j'ai décidé de porter ça. Le voyage, ça peut attendre. Tu sais, ces derniers temps-là, non? Quand je dors, c'est ton image qui m'envahit. C'est quand, même quand, dans mes rêves, partout. Hey, c'est bon. Tu m'envahis. C'est bon, j'ai compris. Tu es venu pourquoi ce matin? Hein? Tu es venu pourquoi? Voilà. Donc, je me suis dit, il faut que je passe au moins une journée dans ma deuxième maison. Dans ta deuxième maison. Voilà. Tu as une deuxième maison ici? Tu as une deuxième maison ici. Toi, tu payes maison. Aïe, comment? Plus à va que toi là, n'existe pas. Tu peux taper mon portail pour me dire que tu payes deuxième maison ici. Écoute-moi très bien. Si je te laisse rentrer ici là, c'est par bonne éducation et par respect. Plus à va que toi comme ça là, n'existe pas. Moi? Non. Non, quoi? Ava là, non. Je suis Ava, c'est vrai. Mais c'est pas Ava comme les autres là. Hein. Tu es comment? Moi, Ava là, non. Je suis en train de mettre l'argent de côté pour toi. Je vais te donner. Pour moi. C'est vrai. Pour moi, tu mets attends, tu vas voir. Je vais te donner tout l'argent. Pardon, qui même si je dois vider mon compte là. Je vais vider mon compte pour te donner l'argent. Je vais te mettre à l'aise. La maison, moi, je peux payer 1 an, 2 ans. Je vais te mettre à l'aise. C'est ma deuxième maison. Tu vois, non. Laisse-moi. Ça, c'est pas. Oh, laisse-moi. Toi ici,
Tu ne dors pas, tu m'as envoyé vengeance, papa. Tu vas me voir. Tu vas où? Dieu merci. Toi ici. Attends. Calme. Lui là, il fait quoi ici? Il est en train de me brutaliser. Moi? Attends. Toi, ce monsieur là, c'est le diable en personne, c'est le démon même qui est là. Moi, je suis allé derrière sa fille. Il me prend, il me fait boire château d'eau. Celui-là. Ah, donc c'est lui. Oh, c'est lui. C'est de lui que Mia m'a parlé là. Oh, vous connaissez. Mais c'est pas possible. Eh, Sion, mais tu es mauvais. Tu cherches encore des autres, tu caches pour toi. Voilà, donc c'est ici que tu habites. Comme ça, il faut me dire que tu habites ici et puis c'est ta cousine. Toi, quand tu me regardes là, il ressemble à ton petit. Il ressemble à ton petit. Comme vous êtes entre vous, cousin. Je vais vous laisser régler sans famille. Moi, je vais à la chose. Attends, tu vas où? Assieds-toi là-bas, famille. Tu es rentré, tu sors plus. Je dis, assieds-toi. Et moi, je t'ai dit, non. Assieds-toi. Ça, fallait me dire que tu habitais ici. Moi, je t'ai dit. Je dis, moi, là, faut pas que tu aies m'appeler ton petit. Tu as compris, non? Je suis ton petit et puis tu m'as maltraité chez toi là-bas. Hein? Rends-moi ça. Allez, si, faut lui dire, si c'est ma fille, il veut là. Je te la livre, cadeau, elle chôme. Tu veux, moi je vais te la livrer. C'est pas la peine. Je te la donne. Non, faut garder. Ta fille là, je n'en veux plus. Garde. Garde. C'est l'eau que tu m'as fait boire là. Même château là, tu vas boire. Tu vas boire. Petit, je peux être ton papa. Attends. Hein? Moi, mon papa ne cherche pas mes cousines. Mon papa là, il ne cherche pas mes petits sœurs. Petit, il faut pardonner aujourd'hui. Ah, c'est pas si. Il faut pardonner. Quel bon Petit, c'est entre nous, on est entre hommes. C'est pareil, il parle avec toi. Voilà. Que tu as le temps de dire on est entre hommes, non? Calé. Oh, achète-nous, ça. Petit, tu vas pas faire ça. Mets-toi à genoux. Croise tes bras si ton bras. J'ai des rhumatismes. Je m'en fous de tes rhumatismes. Croise tes bras si. Demande pardon, ma petite. Faut lui demander pardon. J'ai fait quoi? Ce que tu as fait là, c'est rien. Tentative de viol. C'est rien. Demande pardon. Bon, chérie, pardon. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi dans le beuvre là? Calé, pardon. Pardon pour quoi? Quand tu l'as fait boire des litres d'eau là, tu as oublié ou quoi? Laisse. Tu as oublié? Laisse. Coucher. Non, attends, tu vas pas faire ça. Non, attends. Tu veux être petit. Couche-toi. Faut te coucher. Calé, faut non seulement tu as faim, couche-toi. Je dis, bois. Pardon. Pardon. Tu bois ou bien je frappe? Frappe, hein? Frappe, bois. Quoi? Calme. Pardon. Je ne vais plus recommencer. Tu vois, non? Dieu a dit de pardonner. Parce que ici-bas, là, tout se paye. Oh, tout tu parles trop. Bois. Calme, pardon. Calme, c'est à cause de toi tout ça arrive. Dis quelque chose. Ça là, moi, si moi seul je bois ça là, je vais mourir. Petit, tu pardonnes, non? Je me fâche. Je dis de boire, il faut boire. La vérité, je ne peux pas boire ça là. En vérité, je ne peux pas. Toi-même, il faut boire. Il faut lui demander pardon. Je dis, tu bois ou bien je frappe, crâne. Tu choisis quoi? Frappe, crâne, bois. Bon, bois. Quand tu m'as mis dans ça, hey, 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 yo, hey, hey, c'est bon, on fait boire, les boire de l'eau comme ça, on dirait girafe. Oh, c'est affaire de femme là qui m'a mis dans ça, quand tu m'as tué, attends, viens boire. Toi ton soleil est comment? Il s'élève toujours à l'est, mais refuse de se coucher à l'ouest. C'est grave.